Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclusia et bienvenue pour un petit quelque chose qui devrait pas durer trop longtemps. A Bird Story est un jeu par les créateurs de To The Moon, et pour ceux d'entre vous qui connaissent pas, c'est plus une histoire interactive qu'un jeu, mais je sais d'expérience que ce qu'ils font chez Bird Game Studio, en général, il faut des trucs de qualité. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager une petite histoire comme ça avec vous. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais si ce n'est qu'apparemment c'est une histoire qui est racontée sans utiliser les de dialogue. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va être. Waouh. Qu'est-ce qui se passe au juste? D'accord, ok. J'ai l'impression, mais je peux que aller en arrière. Je peux pas avancer. D'accord. Et si j'essaie d'avancer, ça me fait cette espèce d'ombre avec une... Eh, hey, un avion papier. D'accord. Ok, pourquoi pas. J'ai absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer.
Bon, ok, on est envoyé à l'école sans même explication. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah, ok, d'accord. J'ai l'impression qu'on a une petite obsession avec les avions en papier. Oh, espèce de... Et ça va me retomber sur la tête, n'est-ce pas? On parie combien que ça va me retomber sur là là, le professeur de l'âme. Espèce de... Les gosses, je vous jure. Ah ouais, salut les enfants. Que j'imagine que je suis un enfant aussi techniquement, donc... Salut les copains. Quelque chose me donne l'impression qu'on n'est pas forcément un gamin populaire. Est-ce que je peux... Non, je peux pas tenter de retourner en classe. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je regarde par la fenêtre? Ouais, non, quelque chose me dit que je peux pas aller par là. Ok, bon bah, suivons les autres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne là? Est-ce que je... Non, bon bah. Nous sommes maintenant un délinquant, en train de sécher les cours. Cours, 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 cours. Ne te fais pas repérer, ne te fais pas repérer, ne te fais pas que quoi? Ok. Ah. C'est sympa comme transition. Okay, donc j'ai compris que ces espèces d'ombres de moi, c'est là qu'il faut que j'aille, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux voir avant? Oh. D'accord. Nous sommes le maître des ombres. Je suis juste en train de dire des conneries parce que je sais pas trop quoi dire. Et est-ce que je vais être tout seul à jouer pendant la récré? C'est ça qui est en train de se passer? Oui, bon, d'accord, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Ok, est-ce que c'est l'heure de rentrer en classe du coup? Est-ce qu'on est juste venu ici pour aucune raison? Ouais, j'ai bien l'impression. Les couleurs sont en train de changer, donc j'ai bien l'impression que c'est ça. Ah, je vais me faire tirer les oreilles par la maîtresse. D'accord, en fait, non, je suis pas censé retourner en cours. Où est-ce que je vais, bon sang? Oh, d'accord, voilà là où je vais. Je sèche les cours, carrément? Oui, j'ai bien l'impression que c'est le... Oh, regarde-le avec son petit sac à dos sur le dos, il est trop mignon. Et donc, est-ce qu'on sèche les cours ou est-ce qu'on est simplement en train de rentrer de l'école? En tout cas, c'est... Non, d'accord, j'allais dire c'est vachement luxueux comme maison, mais ça doit juste attendre un building d'appartement. Bonjour.
Ombre des ténèbres. Non, ça n'a rien à me dire. Je peux lire ce qui est marqué là-dessus? Non, je crois que je ne peux rien faire, en fait. Clac. Donc plus que de la musique d'ascenseur et on serait bon. ne parle pas aux étrangers, gamin. il est adorable. Pourquoi tout est devenu aussi creepy d'un coup? Alors? Y a quelqu'un? Maman, papa, chien, chat. Est-ce que j'habite tout seul? Non, je pense pas. Il y a une chambre de parents juste ici. On a bien vu qu'on avait notre propre chambre. D'accord, ok. Quelque chose à voir ici, c'est... Non, rien à voir du tout dans la chambre des parents. Ah oui, parce que s'il rentrait dans la chambre de ses parents, il se ferait... Ah oh Ah, regardez-le. Gamin, t'es adorable. Et donc du coup, maintenant que t'es rentré chez toi, qu'est-ce qu'on va faire? Plus ta vue en papier? Ok, on va aller te chercher de quoi grignoter. N'empêche, c'est pas étonnant qu'il ait pas d'amis, ce gamin, s'il est aussi seul que ça chez lui quand ses parents sont pas là. Je veux pas dire ça dans le sens que c'est un loser, je dis ça plutôt dans le sens que je parle d'expérience que quand les parents sont absents, et ben ça crée un vide social un peu pour les enfants. Aïe. Bobo. Ah, il t'abandonne ton avion comme ça? Bah. Quoi maintenant? Est-ce que j'ai quelque chose? Non, d'accord, j'arrive. Est-ce qu'il va tomber de sommeil en faisant cette voix? Il est tombé de sommeil en faisant cette voix. Ah, et voilà, papa, maman, je crois bien. Oh, joli lancé! Joli lancé, Calamity Jane! Est-ce que maintenant avec le truc... Non. Oh non, je crois qu'il allait s'en servir comme cape de super-héros.
Encore un jour avec les parents absents, faut croire. Je me demande si on va les voir à un moment ou à un autre. Par contre, donnez-moi une petite seconde. Ok, c'est bon, reprenons. Où est la sortie? Est-ce que je suis piégé dans les toilettes pour toujours? Que je dois... Au secours, je suis piégé dans les toilettes? Ah non, d'accord, c'est... Ok, la sortie est là. Ok. Je me fais paniquer pour rien. Oui, mais non, je voulais lire le mot sur la porte. T'as pas besoin de ton cartable pour lire les mots. Sauf si peut-être t'as besoin de lunettes et que tes lunettes sont présentes dans le sac, mais... Est-ce qu'il faut besoin de prendre le livre aussi? Oh. Un futur artiste, ce gamin. Ouais. Je crois que je devrais avoir tout ce dont j'ai besoin. Quoique, faudrait aussi que je pense à prendre un petit déjeuner. Et j'aimerais aussi aller voir ce qu'il y a dehors. Magnifique, superbe, génial. Petit déj, petit déj, petit déj, petit déj, petit déj. Ah, j'ai 3 points muffins. D'accord. Il pleut, prends ton parapluie. D'accord. Merci maman, ou papa, ou... Et tu prends pas le parapluie. Mais prends le parapluie. Mais le... Et le parapluie? Bon, d'accord. D'accord, j'aurais peut-être dû faire attention à la lumière avant de traverser. Il me paraît combien que tout le monde a fait cette erreur au moins une fois en jouant à ce truc. Enfin. Bonjour, madame tête translucide. Et salut, con. Ouais. Ça sert à rien de passer toute la nuit à étudier si c'est pour dormir en classe le lendemain matin. Putain, personne lui a rien dit. Ah. Ah. Quelqu'un va recevoir une fessée. Ah, bon. C'est pas de l'abus contre les enfants, ça. Elle risque pas de perdre son poste en faisant ça, la prof. Enfin, bonjour, quasi-arbre. Ah, et du coup, j'ai pas mon parapluie et il va pleuvoir. T'aurais dû écouter tes enfants. Enfin, tes parents. Ouh, alors tu apprécies beaucoup plus de... Oh. Je suis maintenant une grenouille. Je ne me déplacerai que de cette façon. Non, d'accord, ça a plus vraiment d'utilité maintenant. Moi aussi, j'aime bien la pluie. Je préfère même carrément quand il pleut plutôt que le soleil. Je trouve que c'est agréable. Je trouve que... Ça apporte... Ça détend la pluie, je trouve. J'aime beaucoup le bruit de la pluie, le visuel de la pluie. Et puis ça donne l'occasion de voir les gens qui se plaignent de la pluie et qui se cachent la tête, et rien que pour ça. Gamin, je crois qu'on a trouvé la forêt des Saintes. On va bientôt trouver Mary et Pipin. Ah, oh, c'est un blaireau qui poursuit un oiseau. Hé. Pas touche. Pas touche. Allez, oust, oust, oust. Allez. Ouais, c'est ça. T'es pas un honey badger, j'ai rien à craindre de toi. En toi, maintenant. Oh, il est blessé. Chut, viens ici, je vais te soigner. Enfin, je vais essayer. Je sais faire des oiseaux en papier, faire des avions en papier. Est-ce que du coup, je sais faire des bandages pour oiseaux?
Je veux pas te faire de mal, je veux t'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va pas le laisser ici comme ça quand même. Oui, je sais que t'as pas envie de lui faire peur, mais on peut pas l'abandonner ici comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je peux interagir? Genre les fleurs, donne-lui à manger des fleurs. Je suis sûr que ça, c'est des plantes médicinales, non? Bon. Lui injecter le sang du blaireau pour qu'il devienne un monstre mutant. Non, bon bah. Ça m'énerve de l'abandonner là. Là, regardez, il va déjà avoir des problèmes à nouveau. Voilà, regarde, j'étais sûr. Hey, allez, boost. Qu'est-ce que je t'ai dit la première fois? Mais où peut être l'oiseau? Où a-t-il bien pu disparaître? Oh, mais qui est-ce qui pourrait le savoir? Où est passé l'oiseau? Il a disparu. Est-ce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Coucou, bonhomme. Ah, oh, t'es adorable. Vous êtes tous les deux super adorables. C'est ridicule. C'est ridicule. D'accord. Je rentre pas chez moi donc? Je vais chez le vétérinaire peut-être. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Bon boulot, gamin. Aujourd'hui, tu vas sauver une vie. Allez, Doc, on a besoin de toi. Non, bon, il est pas là. Qui d'autre pourrait sauver un oiseau par un vétérinaire? Non, personne. Bon bah. Tant pis, t'en fais pas, tu vas voir, je vais te soigner du mieux que je pourrai. Je te donnerai des céréales à manger et on regardera les Power Rangers ensemble à la télé. Il a une visée laser. Attention, gamin, tu es tombé sur un cyborg avec une visée laser. J'aurais tellement dû être repéré. Enfin. Ne repère pas l'oiseau, ne repère pas l'oiseau, ne repère pas l'oiseau. Tu n'as rien vu, rien entendu. C'est drôle, les grandes personnes. C'est bon, passé. J'ai absolument rien de louche sur moi. J'ai pas un oiseau de contrebande qui est venu depuis le monde extérieur. Les parents sont encore absents, j'imagine. Ouais. En tout cas, ça veut dire que je vais pouvoir trouver de quoi lui donner à manger sans problème. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Ah, d'accord. La lumière. C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu nous faisais? Oh, comme d'habitude, les parents sont pas là. Je vais trouver un endroit bien douillet où aller te mettre. Oh, je sais où je peux aller te mettre. Je sais où je peux aller te mettre. Je peux aller te mettre dans l'arbre. Mais non, mets-le dans l'arbre.
alors non, libère le dehors, c'est plus simple sans doute. Coucou. Non, pas sur le linge par contre. Là, on risque de pas être copains si tu fais caca sur mes habits. Non, va dans l'arbre. Pourquoi tu vas pas dans l'arbre? Est-ce que je peux trouver à manger pour l'attirer? Genre du riz ou des graines ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai pas du linge ou du papier ou quelque chose. Genre la couverture que j'avais hier, je peux pas la prendre? Comment je peux faire pour sortir de là? Bon bah il est temps de faire ce qu'on fait dans tout jeu de RPG Maker, spammer le... J'allais dire spammer le bouton, mais non, il est là. Ah, mais oui, il a goutte d'eau parce qu'il doit avoir soif. Il doit avoir soif. Je suis un peu bête à dire que... Non, je croyais que c'était une goutte genre... genre dans les mangas quand les personnages sont... trouvent quelque chose embêtant, mais... Tiens. Bois jusqu'à plus soif. Ouais, à manger maintenant, ok. C'est ce à quoi j'avais pensé. Ok, donc est-ce que j'ai des céréales, du blé, du riz peut-être? Du porridge. Je dois bien trouver quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, voilà, je vais pouvoir aller lui donner ça. Ah non, du pain. Logique, oui, du pain. Ah oui, non, je... non, putain, j'espère qu'il est pas tombé du... Dites-moi qu'il est pas tombé du balcon. Oh non. Non, 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 non. Me fais pas peur comme ça. quelque chose de louche. classique. classique. Vous êtes adorables tous les deux. Je vais aller te poser ça à côté de ton... à côté de l'eau. Je vais t'appeler Wilbur et tu seras mon meilleur ami. Oui, oui, c'est pour toi. Viens le choper. Faut que tu regagnes des forces si tu veux guérir. C'est un petit peu le bordel dans ma chambre, j'ai l'impression. Un tout petit peu. Pourquoi tu piailles de si bon matin? Non, 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 essaie pas de t'envoler, t'es beaucoup trop faible. Oh. D'accord, voilà pourquoi. Oh. Désolé, Wilbur. Pauvre petit gars.
Oui, un peu que ça lui a fait peur, ça. Bienvenue dans le monde des humains, petit. Ah, désolé, j'ai pas encore eu le temps de magiquement te réapprovisionner en eau. Est-ce que je l'ai birdnappé? Je crois que je viens de le birdnapper. Oula. What? Depuis quand est-ce que c'est quelque chose de possible, de logique et de... Gamin, tu devrais être mort. Depuis quand est-ce que c'est quelque chose de probable, de concret et même de réaliste ce que tu viens de faire? Ah, c'était cool, je dis pas le contraire, mais... Bon, est-ce que le veto sera là aujourd'hui? Ouais, sa voiture est là. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il est là. J'espère que ça veut dire qu'il est là. Merci, madame. J'imagine que c'est une madame. Ça avait l'air d'une madame, en tout cas. Ouais, tout de suite. Je vais devenir ton assistant médical. On va sauver des milliers d'oiseaux tous les deux. Le pot, le pot, le pot, le pot, le pot. Ce pot-là, je crois. Ouais, ce pot-là. Et les bandages qui sont... Où est-ce qu'ils sont les bandages? C'est pas ça. C'est pas ça. Où est-ce que vous avez mis les bandages, s'il vous plaît? Bandage, bandage, bandage. Ah d'accord, dans la réserve, j'avais pas vu la flèche. Ah voilà, juste ici. Hop. Par contre, ça va être très peu confortable pour lui de pas, même pas pouvoir bouger l'aile à cause d'une attelle. Mais c'est pour son bien, il devrait mieux s'en tirer maintenant. Bon bah, au revoir Wilbur. Je repasserai bientôt. Oh, est-ce qu'il va s'en... Ah, est-ce que je vais faire ce que je crois que je vais faire? Gamin, 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 gamin. Gamin, 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 gamin. Ouais, mais non, il est pas du tout en état de voler pour l'instant. Je sais, Wilbur, je sais, mais t'es pas du tout en état de voler pour l'instant. Il faut que tu te reposes et que tu soignes. Viens dans mes bras, viens faire un câlin. Allez, ça va passer. Non, tu veux pas venir faire un câlin à papa? Tant pis alors. Et comment va mon oiseau préféré aujourd'hui?
Vous me faites chaud au cœur tous les deux. Non, je pense pas que c'est comme ça que ça marchera. Je pense pas qu'il... Non, non, tu vois, il s'enfuit avec plutôt que de te le rapporter. C'est pas comme ça que ça marche, les oiseaux. Allez, au pied, Wilbur. Ramène l'avion. Ramène l'avion. Ramène l'avion. D'accord, bonjour. C'est sympa comme décoration de cuisine. Est-ce que je... Oui, prendre la viande, d'accord. Alors, je préférais la décoration d'il y a 2 secondes. Je vois qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplir mon nombre de splash avant toi. Ça devrait être faisable. Ah, il me le rapporte cette fois. Oh, oh. Ingénieux ce bestieux. Ah, oh, il fait un exposé sur lui. On revient ici maintenant. C'est pas ce... Oh non, ne dites pas qu'il s'est fait écraser. Non, d'accord, ok. Ok, j'ai vu un petit peu... Oh, il y a des canards dans le coin. Regarde, il est là-bas. Oui, je sais, je me désintéresse de toi, Wilbur. Mais il y a des canards, tu comprends. Ah oui, prends toute la boule d'un coup, pourquoi pas. Espèce de coin, frère. Ah bah tiens, en parlant des canards. Oh, est-ce que tu vas jouer à la balançoire avec moi? Oh. Oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un peu quitté les limites de la réalité. Ah, et cette fois, il me le rapporte. T'es un brave piaf, Wilbur. Et je continue de le dire, mais tous les deux, vous êtes absolument adorables. Bien, nous voici donc en quête de nutriments pour notre camarade à plume. Bien, parfait, mais c'est vrai que ouais, ça doit prendre une quantité quand même faramineuse de pain de nourrir un oiseau. Enfin, faramineuse, pas tant que ça, j'imagine. Ça, quand même, je me suis jamais occupé d'oiseaux, mais ça doit quand même beaucoup manger, on pince, ces bestioles-là. Enfin, surtout quand ils doivent récupérer d'une blessure comme ça. Ouais, tiens, nous voici dans la forêt des Ents.
Ouais, c'est là qu'on a rencontré Wilbur la première fois. Oh, il y a un pigeon. Est-ce que lui aussi va se faire attaquer et que je vais devoir le sauver? Ouais, non, lui il est capable de voler donc il va pas avoir besoin que je le sauve. Gamin, t'as déjà Wilbur, ne sois pas infidèle à ton oiseau. Coucou. C'est l'heure de l'histoire pour s'endormir, c'est ça? On va jouer à choper des... Choper des avions papés sur le toit. C'est pas un petit peu dangereux quand même? Tu risques pas de donner envie à Wilbur de. Ouais, si. De voler avec l'avion, mais ça risque de pas marcher comme ça. Est-ce que ça va faire comme ce qu'on a vu dans l'intro? Il va faire un avion géant en feuille de papier? Ouais, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'on va être un petit peu à court de feuilles. Oh, alors tu vas faire une feuille géante pour faire un avion géant. Ouais. Je crois pas que ça marche comme ça, la physique n'empêche. Mais joli effort, très joli effort. D'accord, mais qu'est-ce qui fait tenir sans l'air la magie du Saint-Esprit? Parce que même à supposer que faire un avion comme ça marche. Ouais, non, non, objection là, objection. Ça marche pas comme ça, c'est du saphir en papier. Par contre, si je peux juste profiter du. Si je peux juste profiter de l'instant pour dire que c'est magnifique ce qui est en train de passer devant nos yeux. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que. Waouh! Ouais, non, qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça ce soit pas logique? Le décor, l'ambiance, c'est. Par contre, on a volé un petit peu loin, je crois. What? Une île flottante. D'accord, pourquoi pas. Admettons. Admettons, admettons.
Et du coup, où est-ce qu'on va aller maintenant? Oh. Est-ce que c'est un genre de tour du monde en 80 jours, ce qui va se passer là? Ouais, je suis en train de perdre des trucs, j'ai l'impression, à chaque fois que je vole. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai l'impression que j'en perds. Waouh. Oh, mais les décors de ce jeu. Ils sont superbes. Qu'est-ce qu'on cherche là en fait? Des nids? Des graines? Il me semble que c'est des nids. Bon, je vais accélérer un petit peu quand même, histoire que... Non mais... Regardez-moi ces décors, quoi. Ah, il y a des œufs dans celui-là! Et du coup, est-ce que les oiseaux sur le... devant lesquels on passe, ils sont amicaux ou ils sont hostiles? Bon bah c'était le dernier nid que j'avais. Waouh, mais regardez-moi ce paysage quoi. Bon, je pense que c'est l'heure de rentrer maintenant, sinon les gens vont commencer à se poser des questions et à s'inquiéter. C'est toujours pas logique d'avoir cet avion qui vole par la magie du Saint-Esprit, mais... Mais c'est cool. C'est très très cool. D'accord, en fait, je suis un sorcier, c'est ça le truc? On me l'a pas expliqué, mais je suis un sorcier qui fait des sorts en papier. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'as faim? Tu veux que j'aille te chercher du pain, c'est ça? Ou alors tu me faisais simplement bonne nuit de la tête? Oh oh. Changement. Ou alors t'es le... Est-ce que t'es le vétérinaire? Est-ce que t'es le vétérinaire que j'ai vu l'autre jour? Ouais, je crois que c'est ça, c'est le vétérinaire. Oh, les triants sont en train de me protéger. Merci, peuple de la forêt. Qu'est-ce qui est en train de se passer là en fait? Coucou Wilbur. Ouais, là j'ai l'impression que les décors sont un peu en train de se désynchroniser. Je comprends plus qui ou quoi, ni quand, ni qui, ni qu'est-ce. Et pourquoi il n'y a personne à l'école? Oh... Non, 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 non. Au revoir, messieurs, dames.
Est-ce que vous allez vraiment utiliser ce gag-là? Le ridicule de la chose. Est-ce que on... Quoi? Quoi? Oh, ouais, bonjour. Bonjour, version maléfique de moi. Qui a apparemment le pouvoir de fermer les portes par la télékinésie et de créer des murs en pierre. Je le savais, je suis un sorcier. Et ça, c'est mon côté Sith qui est en train de ressortir et de... qui a scellé dans les pieds, dans les classes le... la prof et le veto pour que... pour pas qu'ils puissent venir contrecarrer mes plans de domination mondiale. Avec une armée d'oiseaux, ça y est, j'ai tout compris. J'ai absolument tout compris. Non, en fait, j'ai rien compris, je suis juste en train de raconter de la merde. Mais je tenais conseil de faire ça, Wilbur. Les conditions de vol sont pas vraiment géniales avec ce temps-là. Coucou, copain. Ah ouais, t'as l'air guéri. T'as plus de bandages. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le grand jour? Celui où t'apprends à voler à nouveau? Vu à quel point t'as l'air triste, gamin, je dirais que c'est ça, ouais. Ou alors t'es juste en train de te rendre compte qu'il est pas en train de guérir. Que c'est le jour où il faut dire au revoir à Wilbur, c'est ça? Allez, viens. Tu vas guérir, t'en fais pas. Ouais, je crois qu'aujourd'hui est un jour où il vaut mieux prendre le parapluie. Bon bah c'est parti alors. Ah, c'est pas vrai, moi qui essaie de bien m'immerser dans l'histoire et tout, mais je vais pas pouvoir faire ça s'il y a quelqu'un qui vient m'interrompre toutes les 5 minutes. Ah, surtout me mettre dans un état où je me mets en colère contre eux et où je suis plus capable d'apprécier la qualité de l'histoire. Veto des ombres, tu m'attendais? C'est bon, je vais écouter la voix de la raison maintenant. À contre-cœur, mais je vais le faire. Oh non, regardez sur les côtés, on a les souvenirs de... de quand on jouait avec lui. Pourquoi est-ce que la prof est là aussi? Pourquoi est-ce que la prof est là? Pourquoi est-ce que la prof est là? Ent, sauvez-moi, c'est la fin du monde! Oh. Oh,
oui, ça aussi c'est une solution, utilise des pouvoirs de sorcier. Pourquoi est-ce que vous vous énervez autant pour juste un oiseau? Pourquoi vous vous énervez autant juste pour un oiseau? Si j'ai envie de le garder avec moi pour le soigner, c'est mon droit. D'accord, qu'elle vienne me voir pour que je lui rende l'oiseau pour qu'elle le soigne. Ok, mais pourquoi la prof, elle est là aussi, quoi? Oh. Oh non, on est en train de perdre des morceaux. On est en train de perdre des morceaux. Aïe, aïe, aïe. Allez, t'en fais pas, Wilbur. On va s'en tirer. Je dis, on va s'en tirer. Ah. Non, j'ai dit qu'on s'en tirerait, on s'en tirera. Oh, on n'y voit plus rien. On n'y voit absolument plus rien. Oh non. Non, 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 non. Tout compte fait, je dirais qu'on va plutôt bien. Mais ouais, Wilbur. Wilbur, copain. Est pas dans le sac. Wilbur? Non, c'était pas Wilbur. Je crois que c'était pas Wilbur. Du coup, tu continues la vie sans... Hey, je passe plus à travers eux. Ils se retournent tous pour me dire bonjour. Je suis peut-être enfin devenu populaire à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on repasse pas devant cet endroit encore une fois. Et en plus, le chemin est ouvert, évidemment. C'est une des pages de l'avion. Ouais, qu'est-ce que vous voulez me montrer, les triangles? Il y a quelque chose par là? Merde, quoi, m'envoyez pas toutes ces émotions au visage. Surtout si, quand je sais pas si Wilbur va bien ou pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça pour dire quoi?
Ah, bien sûr, le mot laser il est plus là et pile quand j'ai plus d'oiseaux. J'ai l'impression que je comprends plus rien, que tout a été, que tout s'est retourné. J'arrête de traverser les gens, l'homme au laser a disparu, Wilbur est plus là. Les tréants me ramènent à la maison plutôt que de me faire découvrir des trucs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les parents vont être à la maison quand je vais rentrer? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la scène d'intro. Lui faire une ligne de petits poussets avec des avions papier, c'est ça le truc? Non, ça a marché. Est-ce que c'est toi qui viens de taper à ma fenêtre? Me fais plus jamais peur comme ça. Tête de piaf. Wilbur! Oh putain, il va pire. Me fais plus peur comme ça où je t'ébouriffe les plumes. Oh! Tu t'es trouvé une lady oiseau? Et tu peux à nouveau voler. Je suis fier de toi. Ah, il faudrait peut-être que je t'enlève le pansement par contre. Ce serait peut-être une bonne idée. L'avion papier.
crâne de Piaf. Bon, j'imagine que maintenant ça va être au revoir, c'est ça? Allez, pars vivre ta vie. Bon ben, c'était A Bird Story. Et je dois dire, les créateurs de To The Moon n'ont pas... ont fait des trucs aussi bien que d'habitude. Ça n'a pas eu le même impact que To The Moon a eu, parce que To The Moon était quand même beaucoup plus massif et beaucoup plus émouvant, mais... Je sais pas si vous aurez eu la même réaction en simplement me regardant, mais moi en y jouant, je me suis senti vraiment à la place du gamin et je me suis senti que je me suis senti avoir cette relation avec Wilbur qui a grandi et je veux dire c'est ça la force de leur jeu à ces gens-là. On se sent vraiment imprégné dans l'univers. Et vous en douterez sûrement que j'ai versé quelques larmes à la fin. Par contre, il y a quand même tellement de trucs que je comprends pas. L'histoire des îles volantes, l'histoire des pouvoirs de sorciers qui nous font voler, le moine maléfique qui ferme les portes en béton. Ok, donc. De ce que j'ai compris, c'est plus ou moins une évolution, une introduction au prochain To The Moon qu'ils vont faire. Bon, bah, je pense que maintenant que j'ai fait ça, je me suis plus ou moins donné l'obligation de faire la suite de To The Moon quand ça sortira, n'est-ce pas? Bon bah, portez-vous bien.